Et qu'est-ce qu'on mange ce soir? Très bonne question, Justine. Ah ben, au revoir, Justine, c'est parti. Non, hier, on vous a parlé de l'opération Tous au Resto, ça c'était hier. Et bien, oui. Aujourd'hui, je vous parle de la 5e édition de la fête de la gastronomie. Comment bien manger? En fait, cette fête aura lieu partout en France du 25 au 27 septembre, donc dans 3 jours. La marraine de cette édition sera la grande chef Anne-Sophie Pic. Toute la France, villes et régions seront mobilisées pour célébrer la gastronomie à travers de nombreuses animations et dégustations. Alors, vous pouvez aller voir où se trouvent les banquets et diverses dégustations partout en France sur ce site economie.gouv.fr, fête-gastronomie.com. C'est un peu long. C'est très très long. Mais on met tout sur 17/20 RFM. Évidemment, on met tout sur la page Facebook du 17/20 RFM ainsi que sur Twitter, hashtag 17/20 RFM. Et parmi les événements gourmands, j'en ai repéré un dans la région de Cahors, dans Lot, alliant créativité, gastronomie et terroir, tout ce qu'on aime. Ça se passera dimanche 27 dans un superbe domaine, le domaine de Saint-Géry chez Patrick Duller, un cuisinier paysan hors pair qui produit entre autres un des meilleurs jambons du monde. Oui, un des meilleurs jambons au monde, vous m'avez entendu. Il recevra donc un jeune chef parisien, Daniel Baratier, et puis voilà, ils composeront ensemble un dîner gastronomique mémorable avec le meilleur des produits locaux, bio, tout ce qu'on aime. Donc avis aux gastronomes, nombre de places limitées. Toutes les infos, tous les bons plans concernant la fête de la gastronomie, vous retrouvez tout ça sur notre page Facebook de 17/20 RFM. Profitez-en, c'est jusqu'au 27 septembre. Il y a plein de bons plans et c'est très très bon. Donc voilà, on ne mangera pas ce soir, mais on mange dans les journées à venir. Mais bien sûr.